Bonjour, je m'appelle Thomas Porte, j'ai 30 ans. Je suis secrétaire départemental des jeunes communistes du Lot-et-Garonne et membre du Parti communiste du Lot-et-Garonne depuis 7 ans. Et j'ai aussi un engagement syndical au sein de la CGT Cheminots. Donc, ce qui est pour moi un moyen de faire peser une alternative et de proposer des solutions pour que les gens vivent mieux. J'ai grandi, j'ai été bercé par l'humanité et l'international parce que je suis petit-fils de mineur dans le Tarn à Carmaux et fils de cheminot, syndicaliste et membre du Parti communiste. Donc j'ai été élevé à la marmite, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, l'engagement qu'on mène et la bataille sur le travail, elle transcende les partis politiques et les syndicats. Elle rejoint une majorité des gens qui ne veulent plus de cette société. Et en tant que cheminot, évidemment, je suis engagé aussi dans un conflit qui porte des revendications propres aux cheminots sur nos conditions de travail, mais qui sont en lien avec les usagers et avec la question du service public ferroviaire que le parti développe avec la présentation qu'on a fait du manifeste pour un grand service public ferroviaire d'avenir. Ben, j'y viens avec beaucoup d'émotion et de fierté parce que c'est mon premier congrès en tant que délégué. Et les attentes, oui, celle de fixer une stratégie à la fois pour 2017 et pour un avenir beaucoup plus lointain, pour qu'on ait une ligne politique claire qui permette de créer une perspective et de l'espérance chez les gens.